Fans de Pretty Little Liars, on vous dit tout en 10 secrets croustillants. Si l'intrigue de Pretty Little Liars ressemble tant à Souviens-toi l'été dernier, c'est parce que Sarah Shepard, sa créatrice, en était fan. L'actrice qui incarne Allison dans la série confie qu'elle a vraiment été enterrée vivante. Ils ont creusé une tombe, m'ont mise dedans, m'ont recouverte, j'avais de la terre partout, c'était vraiment flippant. On va bien la croire. Si en France, la série a conservé son titre original, au Québec, elle s'intitule Les Menteuses. Vous pensez qu'on a menti ? On sait désormais grâce à Mona que Tyler embrasse très bien. Elle a vendu la mèche lors d'une convention. Ashley Benson est à l'origine du générique de la série. C'est grâce à elle que les producteurs ont découvert la chanson du groupe Pierce. Andy Cohen ne supporte pas que son doigt soit excentré dans le générique de PLL. Il fut un temps où Ayan et Lucy avaient des bonnes habitudes et se brossaient les dents avant chaque scène de baiser, une habitude bien vite perdue puisque désormais ils s'accordent même des sandwichs aux oignons avant de s'embrasser. Sympa. Je comprends ce que tu peux t'imaginer, mais je t'assure que ça change rien à ce qu'on vit tous les deux. Le saviez-vous? La lettre A se cache dans chaque décor d'épisode créé. Figure-toi que c'est ce que nous essayons de savoir. Quelles sont les phobies de nos stars? Jane Parrish déteste les araignées et les clowns. Quant à Shay, eh bien, elle admet avoir peur des poupées. T'as pas le droit de faire ça. Après des années de tournage, Shay peine à garder un regard neutre lorsque les filles lisent un message de A. On connaît enfin son petit secret de tournage, regarder droit devant elle et surtout, surtout, ne jamais croiser le regard d'Ashley. En tout cas, elle portait une ravissante paire de chaussures. Voilà pour Pretty Little Liars, on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres secrets sur une nouvelle série.